Coucou petit salé, cette fois j'ai mes lunettes. On est de retour sur Yakuza, putain je suis essoufflé, j'ai cherché partout, au plus vite. On est de retour sur Yakuza. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On avait découvert que le jeune maître était toujours en vie, Namba était un traître, que niveau brocode, nous on était là, et puis il y avait Namba qui était par là, là enfin peut-être un peu plus bas. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, Laoma, on lui a laté le cul, mais Namba l'a aidé à s'enfuir. Génial. C'est de la limonade. Et voilà, on avait fait 2-3 petites quêtes annexes, dont aider la petite Megumi. Donc plein de nouvelles choses étaient apparues, c'est la journée, tout un nouveau programme. Déjà passé par là, là. On a découvert une nouvelle petite armurerie, alors sympathique, mais bon, ça demande pas mal de pognon. Donc là, on va se balader, on va faire quelques petites quêtes annexes, puis on continuera l'histoire un peu plus tard. Voilà, comme j'aime bien le faire, j'aime bien faire de la quête annexe. Ah, bon, déjà les petits appels à l'aide de Iolo. Deska, petit 50 000. Veut se mettre en travers de notre chemin. On va tous vous écraser comme des cafards. Eh bah venez. J'ai besoin de me chauffer là. Je suis un peu froid. Voilà, pandémiste. Contrôleur des nuisibles. Bulldog. Ouais, Bulldog on l'a déjà. Petit jet de punaise. Calmement. Ah oui, ah ouais, le bulldog. On va juste attaquer le. On va finir le contrôleur. Hein. Voilà, petite batte. Et le pandémiste a l'air résistant. Ah non, pas tant que ça. Et encore en vie. Ah, le petit coup de latte qui met bien. Pluie de lame. Bon, l'attaque au Sanbei, ça va peut-être lui faire mal. Ah, il apparaît. Ah, d'accord. Ah, il part tous mes coups, l'enfoiré. Bah, le brise-crâne. Le fouet barbare. Putain, mais il résiste! Le bulldog. Les armes, c'est pas très légal, hein, tout ça. Et, putain, il a masse de dextérité en fait. Pour avoir des vies, voilà, deux petits nouveaux Pokémon. J'en ai encore pas mal des Pokémon à trouver. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous mets 5 étoiles et un commentaire élogieux. Je publie l'histoire sur Chatter. Faut montrer à nos héros qu'on les aime, pas vrai? Oui. Sucez-moi. Pardon, désolé. Adulez-moi. Ah, j'ai pas vu ce que j'avais gagné, il y avait des objets aussi. Ah, un mec qui a recruté. Bon, jamais. Ah bon? Ah oui, fougueux, confiance en soi, 777. Ok, bah allez vous faire foutre, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai envie d'aller me faire un petit tour là-bas. Juste me balader comme ça. J'ai pas tout fouillé ici, donc... petite balade. Peut pas faire de mal. Je dois travailler dur pour le match d'aujourd'hui. Je jouais avec lui pendant nos jours de congé, je n'ai jamais eu aussi mal aux fesses. Je te s'en sort toujours bien, mais mon fils Kakele a du part sur la place. Ah oui, c'est un stade de foot. C'est un stade de foot. Je peux jouer à la balle?
Saut du Cantojo. Oh, je peux jouer à la balle. Je peux pas jouer à la balle. La déception. Ah, 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 le petit miaulement là. Bah, c'était pas déconnant que je vienne par là. Ah, ici. Oh, il aime. Oh, il est là. J'en étais à... Je crois que c'est mon sixième, il m'en reste que trois à trouver un résultat. Ça va mettre un peu de temps. Hello, Deskov. Ah, je savais bien qu'il y avait un petit truc là par là. Fais voir l'insecte, une petite libellule dorée. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, je peux fouiller ici. Des déchets. Oui. Génial. Bon, un kappa. Est-ce que je peux descendre? Ouais, voilà. Prendre en photo. Aïe, aïe. Rien d'autre par là. Ah, voilà, je me posais la question. Ça sent quand même la zone de donjon, là, tout ça. Tout ce qui est entouré par là. Ouais, si. Ocha. Alors là il y a une petite mission annexe. Ça pourrait être bien d'aller voir ce qui s'y trame. Laissez-moi tranquille. J'ai pas le temps d'affronter les nuisibles. Il me faut plus de challenge. Alors ouais, Seiko, j'hésite toujours à la changer de rôle. Hein. Je sais pas ce qui pourrait être bien avec elle. Bon, elle est niveau 22. Ah, faut que j'aille faire un tour au niveau du bar de l'amitié aussi. Oh, double conversation. Une autre. Pas jouer au foot. Amène-le au batting center. Et où est-ce qu'il faut que j'aille pour les sauts des clans Tojo Smartphone. Non, smartphone. Alors, dans le cours de l'hôtel Grand Blue Marino à Yokohama, sur l'avenue du parc Amakita. Hôtel Grand Blue Marino à Yokohama. Sur l'avenue Amakita. Alors, attendez. Blue à Yokohama sur l'avenue du parc Amakita. Ah, c'est là-bas. Grand Blue Marino. Adachi, je vois bien qu'il y a une petite fille qui essaie de passer. Bon, à 32 ans, elle a pas l'air futée, mais voilà, quand même, tu pourrais faire un effort. Alors ici, je me suis dit qu'il y aurait peut-être, mais non, pas du tout. Ah, je commence à avoir pas mal de sauts en hein, résultat. Un homme qui court. Les joueurs sont débiles. Je crois qu'il y avait une voiture tout. Oh là. L'homme dangereux. Oui. Comment toute la vie commence à me connaître en fait. C'est votre petite fille qui a des. Pardon. Kaede-chan だっけ?悪いんだけど、俺ら前に会ったことあったっけか?随分前に一度だけ、私がカムロ町で不良たちに襲われそうになっているところを
Ah bon? Ça date. Oui, t'es mignonne, mais t'es pas... Tu parles à voix haute, Kazuga. Tu vas parler à voix haute, Kazuga. Tu vas penser à voix haute. Est-ce qu'elle sortait pas de prison en réalité? Oui, vas-y. Se rendre à un bar, se rendre à la salle d'arcade, un club d'hôtes. Salle d'arcade. Ah. Salle d'arcade, c'est pas mal. C'est marrant en couple. Oh, c'est la plus pitoyable des salles d'arcade de Ichijoki. Oh. Oui, c'est à moi. Alors, il y a un jeu que tu as envie d'essayer. Tout a l'air intéressant. Oh. Regarde cette peluche là, tu crois que tu pourrais l'arriver à l'attraper? Easy. Donc, j'essaie la machine. Ok, on va voir si j'en suis capable. Bonne chance. Ah, je suis un peu trop à gauche. Ah. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, Ichiban, tu peux y arriver. J'ai l'impression que je suis pas dedans. Hein. Mais putain de clébard de merde. Et tous les clébards me gênent là. Ah mais saloperie de chien. Désolé, j'adore les dogos, c'est ma grande passion. Je préfère les chats. Allez. Faut juste que je le rapproche du trou. Oui, oui. Non, je l'ai éloigné. Bon, peut-être celle-là, hein. On va essayer l'autre. Hein. Ah, mais l'autre va me bloquer maintenant. Oui? Oui? Ah, il y avait quelque chose, il y avait quelque chose. Fais-la tomber. Ah, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Ah, peut-être dans ce sens-là. Ah, je peux la retourner dans l'autre sens. Je peux la faire basculer vers l'avant.
Comme ça, voilà. Et je la fais basculer à l'avant. Ouais, ouais, yeah! La technique. Et là, elle me dit, mais non, la marron! Bulldog français en peluche. C'est pas celle-là qui a voulu? C'est celle-là, là? Ah, c'était la plus dure qu'elle voulait? À prendre 10 ans, vous vous souvenez de la partie d'hier? Allez, 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 allez. Faut au moins que je la rapproche de moitié, quoi, ça pourrait être bien. Oh! Je pense que le jeu il m'aide un peu. Aïe aïe aïe! Attends, je dois. Allez-vous toutes? Si je le gagne toutes, il se passe un truc? Je dois toutes le gagner? Je sais, hein? Ah! Ou faut que je fasse quitter? Pour l'abandon. Bah elle est bloquée. Hein. Elle je pense qu'elle est sincèrement bloquée. Ah pas totalement bloquée. Moi j'en ai arrivé. Moyen. Faudrait que je puisse la débloquer un peu quoi. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. C'est bon, je l'ai gagné. Et hop, c'est dans la poche. C'est la meilleure caisse, gars, je ne sais pas comment tu fais. Ah, la technique. Ah, tu veux bien me tenir ça, s'il te plaît? Je n'ai pas pris de 5 à main. Ouais, pas de problème. Elle m'a donné quoi? C'est quoi? C'est un Puka? C'est un Pachinko? Comment on appelle ça déjà? Comment on s'appelle ça? On a plutôt bien géré, tu t'es bien amusé. Et comment les jeux, c'était cool. Mais ce que j'ai préféré, c'est de voir t'y concentrer. Tu aurais dû voir ta tête. C'est comme ça que tu le prends, hein. On a même pu tester un pourrika. Un pourrika. Un pourriquoi. C'est donc j'ai toujours baisé. Ah, vise un peu ta pose, une transparence, ça vaut de l'or. Merde, c'est moi ça. On dirait que mes yeux vont sortir de leur orbite. Eh, je le répète depuis le début du jeu. Et c'est quoi ces cheveux en pétard? Et moi qui me croyais beau gosse, j'imagine que j'aurais dû nettoyer la glace avant de me regarder dans le miroir dans la salle de bain. Oh, Kazuga, moi j'ai toujours trouvé très beau. Même avec les cheveux en pétard. D'ailleurs, j'ai l'impression que tes cheveux étaient plus courts à l'époque. Hein? Ah oui, c'était avant que ça devienne vraiment n'importe quoi. Bref, je trouve que les deux coupes te vont à merveille. Merci, c'est un compliment. Hein. Évidemment. Dis, Kade, t'as quel âge? Enfin, tu dis qu'on s'est rencontré avec Kamurocho, alors je sais pas, je pensais que t'aurais l'air un peu plus âgé. Kazuga, dis donc, tu sais pas qu'on ne demande pas son âge à une fille? Alors, oui, mais est-ce que tu peux me dire au moins si t'es mineur? Désolé, je faisais juste un... Bon, tu veux aller manger? Je commence à avoir un peu faim. Hein? Bienvenue, combien êtes-vous? Faites-moi signe quand vous serez prêt à commander. Eh, je veux pas être mal poli, mais c'est un rencard, vous comprenez. Elle peut avoir un verre d'eau, elle aussi. Oh, je suis désolé, je vous apporte un verre d'eau tout de suite. Je suppose qu'elle arrivera quand elle arrivera. Je suppose qu'elle arrivera quand... Hein? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? T'as choisi quelque chose? Quoi? C'est un fantôme?
Ah, je suis désolé, j'aurais dû te demander si tu avais faim. T'inquiète, je mange vite. Ne t'en fais pas pour moi, j'ai tout mon temps. Excuse-moi, une grande Maurice, s'il vous plaît, un jus d'orange. Tout de suite. Ça sent le fantôme. Phew, je suis rempli. Ah, on dirait que tu savoures vraiment chaque bouchée. Bien sûr, j'ai toujours aimé manger, même si je peux plus m'empiffrer autant qu'avant. Mais en même temps, j'ai du mal à déchirer des trucs trop gras, je crois que je me fais vieux. Mais moi, je trouvais ça merveilleux de vieillir, se voir mûrir, voir tout son corps changer. J'aurais adoré ça, moi. Ça, c'est un fantôme. Ok. Attends, quoi? Laisse tomber, je suppose que c'était un peu bizarre. Bon, on y va? Oui. Merci pour la bouffe, c'était sympa aussi. Ah, pas de problème. Je vous remercie. Et le jus d'orange, personne. C'est un putain de fantôme. What the fuck? Ça y est, Kazuga voit les fantômes. C'est quoi ces machines de merde? Comment ça se fait qu'on est déjà fauché? Faut qu'on trouve de l'argent et vite. Oh, regardez-moi ça, voilà un couillon qui tombe à pic. Tu voudrais faire quelque chose en particulier? Tu voudrais. Laisse-moi réfléchir, on pourrait. Hé, hey, toi, c'est à toi que je parle. Hein? Mate-moi ce gros débile avec son sourire. Il regarde dans le vide comme un gosse avec son ami imaginaire. Hé, hey, t'as une minute, tu vois le pachinko juste là? Et tout notre fric, c'est triste, non? Tu voudrais pas, je sais pas, faire un don pour notre cause, genre tout ton portefeuille? Vois ça comme un investissement sur la jeunesse. Hé, hey, tu crois qu'il y a de l'avenir pour les gens comme ça? Et si tu l'as fermé un peu? Mec, viens, on vole le fric de ce débile et on s'y remet. Quelle idée, reste en arrière. Ça pourrait être dangereux. Fais attention. Là, que vous veniez foutre en l'air mon rencard, vous avez intérêt à présenter vos excuses avant que j'en ai fini avec vous. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Arrête un peu le baba et balance cet investissement. Rencard, mais il y a toujours les trois qui suivent au loin derrière. Ah, c'est niveau 24 hein, quand même. Un de mort. Guillotine séductrice. Ouf, sous-vêtement thermique. Ok, d'accord. Mince, j'aurais pas dû me battre avec ce malade. C'est pour ça, elle était à l'hôpital, bah elle est morte là-bas en fait. Oh là là. C'est triste. C'est triste, il a enfin un encore avec une fille, mais elle est morte.確かに綺麗なもんだな。しかし偶然ってのもあるもんだよな。時間が経って、そうですね。でも私病気、そうなの？いつも外から春日さんの声が聞こえてきて、最初はうるさいなーなんて思ってたんですけどね。釣り線返せとか。 まだ蜜が食べてるだろうがとか。昔から閉まらねえな。でも窓から外を走り回ってる春日さんを見て、ベッドの上で変わり映えのしない闘病生活だったのが、春日さんが半袖になったら夏が来たんだな。マフラーを巻いたら、そうか。元かっこいいとこでも、ううん、そのままで十分です。だって私はそんな春日さんのことが Elle était médium, donc elle est fantôme. Elle est devenue fantôme. Oh, il est trop mignon. Ah, c'est horrible.
Le pauvre petit Kasuga. Ah, c'est horrible. Putain, c'est... Je suis sensible pour rien. Merde. C'est émouvant, c'est je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas. J'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie. Et... et je trouve ça beau. Alors, attendez, l'autre jour, il y avait des coffres là-bas. Là. Il y avait des coffres derrière ce bâtiment. Et j'ai jamais pu y aller derrière. Ah, il y a un taxi là. Et ça, c'était une porte que je pouvais pas ouvrir. Tant pis, hein, mais... Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont les quepons? Oh la bouffée des punaises. Ils ont pas fait long feu. Je suis à 239 000 dollars. Faut que je fasse gaffe quand même à pas mourir. Hein. Je me balade en mode YOLO. Bonjour toi. Ah. J'aurais bien proposé de t'aider mais le jeu ne veut pas. Les tourments d'une guide touristique. Si on pouvait en parler à quelqu'un d'autre, que je veux faire. Oh oui, on va l'aider, petite visite de Chinatown. En mode Assassin's Creed. Les étapes avec ces photos, dites-moi si vous avez des questions. Ah bah attends, je dois apprendre du par cœur, hein. Je dois apprendre du par cœur. Paifang. Un dragon rouge chargé de la protéger. Dragon rouge, Paifang. Passons aux étals.
Pain à la viande à l'enseigne bleue. Pas la viande ultra fourrée, pas les chevaux dragon, pas la viande ultra fourrée. Ah, ça me donne faim. Je viens de m'enfiler un japonais déjà. La statue de Swan la truie, la divinité qui veille sur tout le monde. Swan la tang, le nom de la soupe chinoise qui contient du porc. Il existe même un rituel de bonne fortune. Frottez son oreille droite, alors oreille droite 4 fois avant de partir et vous aurez la certitude de vous régaler. Ah, c'est pas con. Pardon, excusez-moi. Accompagné à Yami. Ah, ça doit être à Yami. Hôtel, place de l'hôtel Blue Marino. Attends. Smartphone. Alors. L'hôtel Grand Blue Marino à Yokohama, sur l'avenue du parc Amikita. L'hôtel Grand Blue Marino. Là, c'est une pharmacie. La vida. Faut que je lui baisse sa dextérité, elle. Grand Blue Marino sur l'avenue du Yokohama. Farci de café. Poussière détectée. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, c'est un Roomba. Ah, je dirais que ce sujet pouvait réagir aux humains. Il semblerait que nos vêtements soient sales. Quoi? Plutôt gonflé de balancer ça à un inconnu. Mais en parlant de vêtements, c'est quoi cette blouse? J'ai l'air d'un savant fou. Ah, mais excuse, je suis le professeur Rikita, créateur de Shoji. Ah, je comprends même. C'est quoi ce fameux Shoji? Pardon, jeune homme à tête de hérisson, êtes-vous en train de me dire que vous ne connaissez pas Shoji? Shoji, le robot aspirateur au succès retentissant déjà vendu à plus de 5 millions d'unités? Mais quoi? Dire qu'il y a encore des personnes dans notre beau pays qui n'ont jamais entendu parler de Shoji? Vous devez vivre soit dans une grotte, soit en prison. Ouais, alors, vous avez bien dit que ce truc est un robot aspirateur. Je savais même pas que ça existait, cette merde. Notre époque est un genre d'aspirateur automatique. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que ça fasse briller de mille feux votre maison. Ce petit bout de ferraille, difficile à imaginer, mais ça a l'air génial. Oh, oh, en effet, il a été très bien accueilli dans tout le Japon. D'ailleurs, je suis en train de concevoir un nouveau modèle de Shoji à la demande du gouvernement. Pourquoi me demandez-vous? Eh bien, parce que ce nouveau modèle pourra nettoyer les villes entières. Villes entières, un petit truc comme ça. Non, ce modèle-là est loin d'être suffisant pour nettoyer une ville comme Yokohama. Et pourquoi le nouveau modèle de Shoji fera 4 mètres de large pour 1 mètre demi de haut? Sa puissance d'aspiration sera 5 fois supérieure au modèle actuel. Un truc aussi énorme va tourner en ville, ça ne doit pas faire peur aux gosses. Oh, sûrement pas. Je crois que ça existe déjà d'ailleurs, les robots qui nettoient les villes. D'accord, toutefois les subventions de l'État ne suffisent pas à couvrir les coûts. J'essaie actuellement de soulever des fonds de diverses organisations, mais c'est loin d'être facile. Ah, j'imagine que c'est pas donné de construire des robots dernier cri. Franchement, ça me gênerait pas qu'on fasse briller les trucs de cette vie. De combien avez-vous besoin pour le développer? Ouais, on va, en comptant l'argent de poche, je pense qu'un million de yens suffirait à couvrir le coût. Un million? C'est pas rien, vous avez quelque chose à offrir à les joueurs qui contribuent au financement? Ah bien sûr, si vous investissez des fonds dans le projet et qu'il génère du profit comme prévu, vous recevrez un bon dividende. Je vous autoriserai également à louer le nouveau modèle de Shoji quand vous voudrez. Alors, qu'en dites-vous? Ah, laissez-moi réfléchir, je vais voir ce que je peux éventuellement donner.
Oh, jeune hérisson. Non, seigneur hérisson, je vous remercie. J'imagine que ce ne sera pas de latin, mais bonne chance avec le robot. Merci à vous. À la revoyure. Ok, un petit million. Ah, ça va, c'est un petit investissement. De toute façon, on va peut-être faire un peu de simulation. Là, il ne me reste pas grand-chose. L'hôtel Yokohama. Non, c'est pas là. Mais c'est où Là, il n'y a que le grand-père. Voilà. Et un petit combo trouvé. L'hôtel Grand Blue sur l'avenue du Yokohama, l'avenue du parc Amakita. C'est ça? C'est ici? Qu'est-ce qu'ils ont? Voilà, voilà, délinquant gominé. Vous ne ferez pas de points contre les punaises du feu. Ah, j'en ai touché que deux. Poussez-vous. Lap dance. Voilà, on le finit lui, voilà, on n'en parle même plus. Au calme. Grand Blue Hotel sur l'avenue du parc Yomita. Grand Blue Marino, voilà, c'est ici. Je peux pas y aller au Grand Blue Marino. Ah non, mais elle, c'est elle, ça m'intéresse pas. Smartphone. Alors, hop. Dans la cour de l'hôtel Grand Blue Marino à Yokohama sur l'avenue du parc. Dans la cour. Ça devrait être là. Hôtel Grand Blue Marino. Ah, c'est ici. C'est elle, peut-être. Il n'y a pas grand monde qui connaît cet endroit. C'est un peu un secret du coin, alors tu devrais en profiter. Ah. Ah. D'après les mains, le collectionneur devrait être dans le coin. Hey, je t'attendais, t'as des sauts pour moi alors? Ouah, t'es qui toi? J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Ouais, on l'a pas vu. Je porte le costume de Kamulop, la célèbre mascotte de Kamurocho. J'ai des yakuza d'une certaine alliance oblige à mes trousses. Je ne peux pas me promener dans la rue à découvert. Alors je vais leur emprunter pour être plus discret. Il y a plus discret quand même. Si l'alliance oblige te recherche, j'en conclue que tu dois faire partie du clan Tojo. Si on veut. À vrai dire, je suis un peu comme toi, Ichiban Kazuga. What? Comment tu connais mon nom? Putain, ah oui, c'est bras, c'est les oreilles. D'accord, c'est très perturbant. J'étais l'indique du clan Tojo dans une entrevue, mais bon, on n'est pas là pour ça. Ah, que tu as des sauts pour moi. Non, oui, enfin, j'en ai pas trouvé beaucoup. Pourquoi tu collectionnes déjà? Il vaut mieux éviter qu'il tombe entre de mauvaises mains, tu ne crois pas? Le clan Tojo n'existe peut-être plus, mais on peut toujours préserver sa réputation. En tant qu'ancien membre du clan Tojo, j'imagine que tu comprends, n'est-ce pas? Je compte sur toi pour défendre l'honneur du clan Tojo. Ouais, je comprends. Le clan Tojo a toujours eu et aura toujours une place importante dans ma vie. Je ferai tout pour t'aider. C'est pas déconnant, en fait. C'est plus qu'un collectionneur. Si quelqu'un se dit être du clan Tojo, soit il va être dans la merde, soit il va encore maudire l'endroit. Papillon de jour argenté. Saut du clan Tojo. Quel est donc cet endroit incroyable? Bonjour!
Vous avez acquis un PDG. Ainsi, j'ose croire que vous êtes en quête de profit. Attendez que je vous parle de ma dernière suggestion d'investissement. 500 millions de yens? Eh bien, réfléchissez pour moi. 500 millions de yens? Mais jamais je les ai pour l'instant. Ah, il y aura peut-être des meilleures boutiques. Ouais, ça a l'air. Pas vraiment. Dans ton, on va dire que t'es le parent, t'es le père. MDR. C'est vrai qu'il y a tout pour former une petite famille. J'aimerais que tu aies tout un tas de récompenses. Donne-moi le nombre de sauts que tu as et... Ah, 27. Montre Laura du job détective, t'as un gage gangster, chapeau de feutre. Ouais, il y a des trucs intéressants. Peut-être habit de pasteur. C'est pour un mec. Augmente les dégâts infligés par... Oh là là, là là, là là, mais j'ai pas... Il me faut un magot. Il me faut un magot. Escarpins. Chaussures mystiques. Augmente les dégâts infligés par les attaques électriques, incendiaires et de glace. Sarachi vaillant. Augmente les PV de 100. Sarachi de combat, ceinture de combat. Protège dans de grand... Augmente les... Diminue grandement le coût de PM, en PM des aptitudes. Oh! Tempête Sakura. C'est un fouet, ça? Ah non, d'accord. Ça m'intéresse de ouf, ça. Ah bah oui, sur lui. Moi, je perds 5 en attaque, mais... Protège-donc du grand looter. Ah bah oui, putain. Diminue la... J'ai des trucs qui coûtent 50 de PM et j'en ai 200. C'est plus rentable. Une petite quête ici. Ah, faut que je sauve un mec là-bas. On va aller faire ça d'abord. Oh là, oh là. Oh, je sens que... Je sens que la quête qui est ici, elle peut être funny funny. Ah, des beaux Sozoku là. C'est vrai qu'on en a pas vu beaucoup dans le jeu pour l'instant. Des... Yo les connards. 50 000 codes de Mike Purlis. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi ça? Oh, ça sent des membres de secte. Ah bah j'étais pas... C'était ça. Pasteur vers eux, fondateur suspect, partisan, oui. J'ai de punaise. Petit jet de punaise. Voilà, déjà un en moins. Gifle de l'opulent, il passe de 53 à 40. Hein. Batte destructrice, ah ça passe de 18. De 21, non ça passe de 21 à 18 je crois. Et le niveau 29. Faut le barbare, hein. Oh, il résiste. Brise crâne, ça va peut-être le stun un peu. Oh, il fait mal le coco. Vas-y, on va le débuff un peu. Le petit gifle de opulent pour le calmer définitivement. 40, 53 à 40. Oh, il adore l'argent. Petit brise crâne encore. Mais il résiste. Ah, il est stun. Dommage. Dommage, mon ami. Dommage. What bagarre. Il y a plein d'effets sur lui. Voilà, de l'argent encore. Toujours plus d'argent. Je
Allons voir les beaux Suzoku. Quoique. J'ai envie de faire un peu de cartes. Viens, on fait un peu de cartes. Ah oui, oui, un peu de cartes, un peu de cartes. Allez, allez. Oui, jouons à Dragon Kart. Ça fait longtemps qu'on va pas faire un peu de cartes, ça a dû changer un peu. Course, Grand Prix. Maniabilité, on perd. Adhérence, poids, aucun. Résistance, accélération, on a un autre taux de récupération. Ah oui, le fantôme Vélan, ça avait l'air tellement bien. Mais j'ai envie de rester sur celui-là. Hein. Améliorer. Contre la maniabilité. Ouais, j'ai tout dépensé. On l'a boosté. Grand prix. La coupe Phoenix. C'est parti, on va affronter les boutonneux. Oui, tranquille. 5000 yens quand même. Bon, ça va, c'est de la petite pièce pour moi. Mais ça fait cher la course. Ta-da-da. Oh là. Bédiquez vos mères. Putain mais bande de connards. Ça allait vite. Hop, on repasse deuxième. Allez, bâtard. Putain, il est premier, le bâtard. Premier. Oh putain, celui-là, si je dois le refaire avec la brume.
Ça va être un cauchemar. Ah merde, merde. J'ai pas vu ce qui allait m'attendre. Oh, j'arrive pas à faire de départ. J'ai pris un peu de risque, mais c'est pas grave. Aïe! Il m'a niqué le cul! Bon, heureusement que les pièces me font récupérer un max de... Non! Non, ils sont toujours derrière moi! Ah, j'avais presque un tour de plus que le dernier! Il accélère avec les freins le dernier, je crois. Suguru, aïe. Ah, mais c'est aïe, on passe première. Chez. T'arrives même pas à être deuxième sur ta propre course. C'est quoi ce délire quand même? Les vidéos de présentation des circuits sont en 720p, quoi. C'est pas le stream qui est dégueulasse, là. Ok, d'accord, il y avait un piège.
Ok. J'ai compris, je vais me faire voir. Me faire avoir la deuxième fois, mais je me ferai avoir la troisième parce que je parle trop vite. Voilà, voilà, mes fils de pute. Mais quel bâtard! Ah, le fils de pute! Non mais quel bâtard! Mais quel bâtard! Il m'a eu sur la fin! Shame on me! Ah ça va, 21-17. Je l'ai fumé. Voilà. I'm the best of the best. Champion de la Coupe Phoenix, passion plus 7. Ah, passion niveau 7. On est bien sorti. C'est rare de voir un novice monter les échelons si facilement. Tu as quelque chose de spécial. Hé, hey, tu crois? Tous les combattants font pas de mal. Enfin bref, la prochaine c'est la Coupe Dragon, c'est ça? Quand je l'aurai gagné, je serai le roi des cartes. Les courses de la Coupe Dragon demandent plus de play au niveau possible. Ça va être encore un peu trop tôt pour même pour toi, Kazuya. Ah ouais, pourquoi? Disons que si tu avais un peu plus d'expérience, ta victoire serait plus sûre. Ah ouais, mais de quel genre d'expérience tu crois? J'ai gagné tous les tournois possibles. Non, ouais, le haut niveau, t'attends. C'est pas amateur de pimenter la compétition et de tout faire pour remporter la première classe. Ouais, donc je dois battre tous mes rivaux. Affronter les meilleurs pilotes, t'en apprendras plus sur leur technique, mais aussi sur la tienne. Je le recommande vivement. Ouais, tu marques un poids. N'oublie pas d'améliorer ton kart, c'est un investissement, mais comme pour tout, il faut d'abord planter les graines pour récolter les fruits. Compris. Donc je dois affronter l'autre teuteux. En solo. Bah écoutez, je vais me casser, je vais aller voir les boss Suzoku. Ah non, on s'arrête là à la VOD. Oui, c'était une vidéo un peu courte, ça change de d'habitude. Je vous fais des gros bisous, allez, on se retrouve pour la suite de nos aventures. Et le stream, on continue.